Vous le savez, il y a en ce moment une période de rigueur très forte dans le monde. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une marée basse. Quand il y a la marée basse, eh ben on voit toutes les pierres qu'il y a au fond de la mer, on voit toutes les choses pas bien qu'il y a au fond de la mer. Eh ben, dans ces périodes-là, difficiles comme celles que nous traversons en ce moment, eh ben, ressortent des choses qui sont du passé ou des choses qui sont dans nos relations avec notre entourage. Et beaucoup de problèmes ressurgissent dans cette période-là. Des problèmes familiaux, des problèmes dans le travail, des problèmes d'argent. Des choses qui étaient calmées ressortent. Des problèmes dans le couple, des problèmes relationnels avec son entourage. Ça peut être des choses de l'enfance, ça peut être des choses qui nous ont contrariés, des inquiétudes qui reviennent beaucoup plus fortes qu'avant, des choses qui nous ont inquiétés auparavant, qu'on a réussi à surmonter, à dominer, ben ces inquiétudes remontent. Beaucoup, beaucoup de choses négatives remontent dans ces périodes-là difficiles. Dans la vie, il y a plein de périodes. Il y a des périodes de beau temps, il y a des périodes de tempête, il y a des périodes de calme. Celui qui ne comprend pas qu'en ce moment, on passe comme une période de turbulence, comme quelqu'un qui est dans un avion. Il y a des trous d'air, un énorme trou d'air. ואדם שלא ידע להפריד בין דבר לדבר, ואדם שלא ידע להיות בנחת רוח ובקור רוח. Il faut essayer autant que possible de rester serein et analyser les choses froidement, pas s'emballer. Il y a des périodes difficiles dans la vie, c'en est une. De toute façon, la vie entière est faite de trous d'air de haut et de bas, de haut et de bas. Il y a des moments où c'est très très fort comme maintenant. C'est très très fort. On traverse un énorme trou d'air. Et dans cette période-là difficile, celui qui n'est pas bien réveillé, qui ne fait pas les choses avec sang-froid, il peut perdre beaucoup. Il peut perdre des problèmes de travail, il peut perdre des problèmes de shalom bayit, il peut perdre même sa emouna, des choses qu'on lui a transmises de génération en génération. On peut perdre beaucoup de choses dans ces périodes difficiles. Car le monde est dans un changement très très fort en ce moment. Tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, ça change complètement. Tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant est en train de changer. C'est une période de grand changement. C'est une nouvelle époque qui s'ouvre. Celui qui n'est pas sage, intelligent, pour avoir une bonne approche et faire attention à ne pas perdre des plumes là-dedans, risque de perdre beaucoup. Il y a des périodes dans la vie d'un homme qui sont importantes, dans la vie d'une communauté qui sont importantes, dans la vie d'une nation. Là, c'est une période qui concerne toute l'humanité entière. Il y a un changement et celui qui est pas sage, il peut perdre beaucoup de plumes.